Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une méga rampe. Mais pas n'importe quelle méga rampe là, ça, une méga rampe avec... Avec quoi la salle? Et bien c'est parti, regardez. Avec, bah tu vas voir, je te laisse la surprise, je te laisse découvrir. C'est une surprise pour toi la salle là. Je le dis et je le redis. Et je le re-redis et c'est une surprise. Regarde, attention, 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 attention. Attention, attention. Sur le sous-marin, enfin, j'en étais sûr. En sous-marin. C'est pas beau? Si. Il est bien lancé. Ouais, t'es en quoi toi? Je sais même pas j'ai lequel d'ailleurs. Attends, parce que moi je suis en noir. C'est pas toi, moi. Je... Non. Enfin je. Bah, c'est non, seul chez moi et comme je suis tout seul les gars, je suis allé ouvrir. Je vais aller. Moi normalement je suis blanc. Moi je suis bien normalement aussi. Même il descend plus une nuit. Ah ouais? Je sais pas. On a arrêté là, non? Oh! Il se passe quoi là? En fait, j'ai pas compris. Ouais, y'a quelqu'un qui a poussé donc on m'a poussé descend. La salle, on m'a poussé. Attention, attention, je vais avoir le point. Allez, s'il te plaît. Bah, oui, bah écoute, pousse-nous, hein. Enfin. Ouais. Regarde, je suis dans le fond! Regarde! La salle? Bah, je vois ça, mais. Je crois qu'on avance plus, hein. Attends! Non mais ça y est, je crois qu'on avance plus là. Okay, il y en a qui est en train de... Ah faut... Wow, on m'a poussé. Moi aussi on va me pousser je crois. Je vais la voir, c'est bon je l'ai. Oh oui, ça fait plaisir. Mais ils veulent pas me donner le point, regarde la salle. Ah c'est bon. Ok. Par contre je suis en truc là, c'est bon, je suis passé. Enlève tes roues hein. Ouais, moi elles sont déjà enlevées. Ok, on voit déjà la méga rampe. Je vais juste prendre le point, après je vais aller ouvrir la porte parce que c'est des forceurs, tu connais, c'est l'alien. Je prends juste le premier point et c'est bon, on est carré dans l'axe. Il sait que t'es en vidéo et il fait semblant de pas prendre la clé. Enfin, c'est. Moi je serais toi, je laisse dehors, sérieux. Hein. C'est vrai qu'il mérite que. Moi je lui dirais d'aller chez le Zac. Oh les bas. Bah ouais. Ouais, par contre, je me sers toi. Ok, je vais ouvrir. Ok, du coup les gars, on est de retour, c'est parti, let's go. Ah ouais. T'es en quoi toi là, ça t'es avec le nouveau véhicule bizarre là? Camion. Mais je suis en camion aussi. Par contre avec la neige, ça fait bizarre quand même. Hein. Oulala. Oulala la salle. T'es en train de passer toi aussi? Ouais, je suis en train de descendre là. J'avoue, j'étais concentré dans la descente. Ouais, c'est hardcore là. Attends, pourquoi il y a 60 véhicules en tout? Hein? Comment ça? Dans la course, il va y avoir 60 véhicules. Non, mytho, bah. Ça, c'est juste pour que j'appuie sur la flèche du bas pour montrer que t'es premier, petit malin. Oulala, tu crois vraiment que j'en suis à là? Au stade, hein, de vouloir montrer que je suis premier? Espèce de loulou, bah. Je rigole. Elle était pas mal ou pas celle-là? Que toi tu me demandes de faire flèche du bas pour qu'on voit que t'es premier, je peux comprendre, tu vois. C'est vraiment, c'est un concept où je me dis, c'est possible, il y a moyen. Mais alors le contraire, waouh, même moi j'y crois pas. Alors attends, déjà laisse-moi avancer. Oh là là, j'ai oublié de voir. Ah non, ouvre pas là, ouvre pas. J'ai oublié d'ouvrir en haut. Dis-lui non. Dis-lui voir que je suis en vidéo. Hein? Oh, voir que je suis en vidéo là. Je suis obligé, la salle est en haut. Attends, je prends le point. Et c'est des c'est une méga rampe ouverture de porte, la salle. C'est, voilà, c'est dit, c'est relis. Je suis un forceur en plus, moi. Non mais dis-lui voir là, dis-lui oh. Tu sais ce que c'est une clé ou... Il sait pas ce que c'est une clé je crois, ils savent pas. À mon avis de vous... Par contre, ouais, tout à l'heure quand ils ont sonné, j'avais l'impression. Tu vois ce que je veux dire la salle? Heureusement que tu fais pas une tête de plus et 40 kilos de plus, hein, parce que... ça serait pas de la même manière, hein. T'aurais fait quoi toi la salle, à ma place? Mais je l'aurais claqué ton frère déjà depuis longtemps. Sérieux, il rentre, je le claque comme ça, et je prends la clé, et je lui colle la clé sur le front.
Je lui agrafe la clé sur le front. Il faut pas, tu sais, acheter un double ou tu vois, ou prendre mes clés. Tu sais qu'elle allait faire un double à 15 euros, tu vois, c'est. Mais grave. Ça existe pas chez vous. Allez, on y va là, ça l'enfonce. T'es en quoi toi? Parce que je te vois plus là. Moi je suis en coquette. En ouvrant les portes, tu es troisième hein, quand même. T'es quoi? Troisième en ouvrant les portes. C'est pas beau. Ah ouais? Wow. Ils font quoi les autres? Je sais pas ce qu'ils font. Ah bon, on a eu le bout, ils sont perdus. Mais toi t'es loin en fait, en coquette. C'est-à-dire que t'as un véhicule d'avance par rapport à moi. Wow, ouais. Ah bon. Ouh la coquette. Ils auraient pas dû mettre le ralentisseur en haut là, j'aurais bien kiffé foncer. Ouais, pareil, ouais, c'est vrai. C'est enneigé, hein, c'est très enneigé tout ça. Allez, on y va. On fonce la salle, c'est parti. Moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent l'avion de chasse en bas, pour remonter. Ça aurait été sympa. Attends. Ah, y'en a un, il est encore en sous-marin. T'es où? Ouais. Je viens de le voir. Il y en a un qui est en sous-marin. Ah ouais, c'est effectivement Maï qui est bloqué en sous-marin. La course, elle doit être intéressante pour elle. Wow. La pauvre. Ah bah c'est bon, il vient de passer. J'essaie de gérer avec le frein à main, mais le problème c'est que vu que c'est en pente, bah des fois ça bloque. Mm-hmm. Ouais. Et fait que vraiment. Je suis d'accord. Ok, c'est pas qui mon kiki là ça. Ouh, let's go. Attention, toi t'éternues, c'est bizarre ça. C'est suspect. C'est suspect. C'est suspect, j'ai tout, c'est suspect là ça. Hey, attention. Corona. T'imagines tu le fais pendant les fêtes et... Ça doit être sympa. Ça doit être sympathique, effectivement. Alors, par contre, je suis en train de passer. Non, je pense que c'est pas sympa de l'avoir, la vérité. Mais. Bah, disons que toi, tu l'as eu, donc tu comprends les choses, quoi. Ouais, c'est pas très. Wow, ça donne pas envie, quoi. Un des trucs, moi, qui m'a le plus traumatisé. Ouais. C'est quoi, à ton avis? C'est quoi? J'ai dit traumatisé, hein, j'ai pas dit. Qui m'a fait souffrir, hein. Tu vois, souffrir, c'est tout ce qui est fatigue et tout, mais traumatisé. Je sais pas. Tu trouves pas? La fatigue? Non, traumatisé. Bah, traumatisé, je sais pas. Genre, psychologiquement. À part la fatigue. Non, qu'est-ce qui aurait pu me traumatiser, mais psychologiquement? Un fantôme? Oh my god. Quand j'avais le Covid, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que je viens de te dire. Un fantôme? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Bah gros, ça peut te traumatiser. Hein. Mais c'est quoi le rapport? Je viens de te dire la fatigue. Par rapport au Covid, aux symptômes. Mais non. La fatigue, c'était une souffrance physique, mais je te parle d'un truc qui m'a traumatisé psychologiquement. Ouais, bah le Covid alors. Mais non, oh là là, wow, laisse tomber, je vais te donner la réponse que tu crains. Vas-y, vas-y. Mort. C'est la perte de goût qui m'a le plus traumatisé. Parce que pendant une semaine, j'avais pas de goût. Ça, c'est vraiment vrai, les gars. Et manger du plastique pendant une semaine, j'étais choqué. C'est-à-dire que au bout d'une semaine, j'étais en train de péter un plomb, je me disais, j'ai faim. J'ai faim, je veux manger un truc avec du goût. Et de l'odeur, j'ai faim. Et du coup? Et quand... Oh là là, quand j'ai commencé à retrouver le goût de cette tout doucement. Oh là 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 là, le bonheur. Je commence à manger un truc et je me dis... Oh, il y a le goût. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? T'as tes glingues. J'ai commandé direct fast food. Ah ouais. Ouais, j'ai commandé fast food comme ça. Puis tu sais, je croque. Et je me dis... Je t'ai dit, oh là là, quel plaisir. Oh, mais vraiment, j'étais en extase totale. J'étais là, tu sais. Et j'ai l'impression, tu sais, de le premier truc que t'as mangé, c'était quoi? Quand j'avais le goût. Ouais. Un fast food. Mais quoi?
Oh bah j'ai commencé par McDo et après Burger King. McDo après Burger King, ah ouais. Ouais. Oh le bonheur, t'imagines même pas. Tu sais, pendant 10 jours comme ça, tu bouffes pas, tu bouffes rien, tu bouffes, t'as pas le goût. Y a aucun goût ou aucune odeur de rien. Et d'un coup, tu ressens un truc comme ça. Tu redécouvres la vie. Oh, ça sent. Et tu goûtes, oh, y a le goût. Bon bah, inutile de te dire que je l'ai savouré, hein, vraiment. Et pas naïf. Franchement, c'est vrai que moi, le premier truc que je ferais, c'est manger un gros truc t'es abusé, style à mort. Ouais. Genre des. Un tacos, un kebab, un McDo. C'est que j'ai mangé fast food pendant 3 ou 4 jours d'affilée. Bon, ouais. Pas une fois par jour, hein, pas deux fois, mais pendant au moins 3-4 jours d'affilée. Tellement ça faisait longtemps que j'avais pas le goût. Non mais je t'ai dit, psychologiquement je devenais fou. C'est vrai qu'en fait les gars, vraiment quand vous perdez le goût, c'est que c'est à dire que vous perdez le goût. En gros clairement c'est le... Ce que tu manges, ça a le goût du plastique. Voilà. Voilà, c'est ça. Quoique même pas, même le plastique et il a un goût. Là il y a plus. Non mais c'est vrai, même du plastique. C'est quoi comme goût d'ailleurs, ouais, c'est quoi comme goût, c'est quoi, c'est comme quand tu suces un... Y'a rien, rien. Imagine rien. C'est ça. Ah mais c'est pas possible, rien. Ah bah si, bah je t'assure que si, hein. Il y a tellement rien que je prenais mon pull, sur la manche, je mettais du parfum, et je posais mon nez sur la manche, pleine de parfum, et je faisais... Bah il y avait rien. Ah ouais. Je me disais, t'in, merde, merde. Toxico, ouais. Le machin. Pour que du parfum, tu le sentes pas, c'est chaud quand même. Bah, tu sais qu'il y en a, ils ont perdu le goût pendant longtemps. Hein. Bah, celui qu'on a vu là par exemple. Ouais, mais franchement, c'est chaud. Hein. Toi, tu pèterais les plombs. Ah, c'est psychologiquement, c'est. Moi, j'aime bien la bonne bouffe, tu sais, quand ça sent bon et tout. Donc, je peux te dire que psychologiquement, ça fait mal. Hein. Ouh la vache, ça commence. Les premiers symptômes commentent, les gars. Ça commence comme ça. Non, ça commence même pas comme ça, je crois. C'était quoi ton premier symptôme? Je sentais que j'avais un petit truc au fond de la gorge. Et je savais pas ce que c'était. Mais je sentais comme un... Tu sais, quand tu fais... là. Oh, je sentais comme un petit truc qui me faisait pas mal. Tu vois, je veux pas abuser. C'est pas mal. Hein? Qui te gratte? Ouais, qui... Ouais, comme un truc qui est là, qui te gêne un peu, tu sais pas trop. Et ça commence comme ça, malheureusement. Et quand tu sens ce truc-là, c'est pas bon. Parce que quand tu sens ça, t'as rien. Tu sais, il faut que t'attendes encore 3-4 jours, donc au début, t'as rien. Oh, j'ai explosé. Mais tu sais que ça sent pas bon. Tu sens que c'est pas bon. Quand je dis ça sent pas bon, c'est tu sais que la merde arrive, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah ouais. C'est la mer noire, quoi. Eh ouais. Eh bien, écoute, moi, je suis en train de foncer. Oh, punaise de flûte. J'arrive pas à passer avec la furie à la salle, ça me saute. La furie à... Ah bon? Ouais, en fait, je passe en dehors. Ah, tu tombes carrément? Ouais. Oh non, pas jusque-là, hein. Sérieux? Ah non. Mais bah, après, non, je vais à fond. Ouais, mais jusque tomber. Bah, moi aussi je vais à fond. Mais jusque tomber, oui. Ça me l'a refait encore là. En fait, si ça me saute, et après, bah. Après, ça me saute. Et du coup, bah, ça me fait clairement sauter en dehors de. Mais du coup, il y a tout le monde qui est en train de me rattraper là, en fait, que je pense. Bah, j'ai pas pu avoir le point, parce qu'on était deux collés avec Kosla, et le problème, c'est que mon point, il était en dessous. J'ai pas pu le prendre, quoi. Alors, je n'ai pas pu prendre le point, tout simplement. Mais encore une fois, je ne vais pas l'avoir. Ok, je suis en train de foncer. Forcément, je l'ai pas. Oh, j'arrive pas à avoir le point. Hein. Lequel, toi? En haut, je peux pas. Parce qu'on est arrivé ensemble. Ah, je vais pas retomber, j'espère. Non, c'est vrai. Je te vois là, c'est toi qui as spawn là. Je peux pas, ouais, je vais aller plus loin, hein, j'arrive pas. Ok, c'est bon, je suis passé. Let's go! Ouais, je suis passé. Oh, c'est cause de demi-tour.
Ouais, il est violent quand tu commences un demi-tour cet avion. Il bombarde, non? Y a pas un mode, je sais pas quoi là? Oh non, on va arriver en même temps. Non. Non. Oh, c'est bon. On m'a dit qu'il y avait un mode dessus, j'ai pas compris. Ah bon? Bon, je crois qu'on l'a activé quoi. Non, je crois pas qu'il y a... pas au courant. Hein. I don't know what it means. Hop, les choix quoi, c'est quoi ça? Je suis en Zaba, je crois. Non, c'est quoi ça? Hein? Non, j'ai cru que c'était le Zaba, mais non. Ah non, c'est la. Je sais pas, je suis en 4x4. Je suis en Rebla. En Rebla. Hein? T'es loin? C'est quoi ça? C'est loin? C'est vraiment loin? Bah, moi j'ai fini en carte. Ah ouais, d'accord, bah ouais. Donc à mon avis, je dois avoir un véhicule de retard. Waouh, ouais. C'est loin, Huawei. Hein. Bah, disons que j'ai pris du retard, quoi. Et le problème, c'est que moi, je sais pas toi comment tu fais, mais moi, mon véhicule, il se retourne. Hein. Bah non. Tu fais flèche analogue vers le bas, quoi. Quand. Bah ouais, c'est ce que je fais. Mais... Tu vois là, par exemple ici, hop, il part tout seul. Mais c'est pas grave, je suis passé. Faut utiliser le frein à main aussi. Bah ça oui, ça je le fais. Non, mais tu vois, c'est pas comme. Je pense que c'est la neige, parce que d'habitude, tu vois, j'ai réussi à passer au calme, je l'ai réussi, mais là... C'est pas fameux, c'est pas... Ce véhicule, je me rappelle plus... À quelle période je l'ai eu, mais... Ouais, je suis au dernier véhicule, là, j'ai pas fini. Ah, ok. Ça va. Et le Rebla, la salle, c'est là, en dernier. Le Rebla. Le Rereux. Et il va avoir déplacé la salle. Il va y avoir du nom classe. Je lis. Ah mais du coup il neige la salle. Mmh. Ah bah ouais. Oh, et comment j'ai descendu? J'étais en pic. C'était stylé. Ah ouais. Ah ouais. Ils auraient dû mettre le. Mais regarde ce que ça me fait, moi. T'as vu? Bah, j'ai vu, mais quelque part aussi, tu le cherches. Mais elle est pas mal, celle-là, j'ai vu normal. Ok. Oh, la faute dessus. Eh bah voilà, là, t'es bien, là. Regarde, quand je vais juste faire là-bas. Ah, comme par hasard, non, ça mais fait pas tout le temps. Là, faut pas. Attends. Voilà, un peu vers le bas et au dernier moment. Pas. Là, ne le mets pas. Voilà, tu vois. En fait, ça dépend. Faut juste pas taper le truc, quoi. Voilà. Eh bien, voilà. Écoute, je crois que je suis passé. Ouais, mais bon. Avec la technique, tout passe cette nuit, non? C'est ça, hein, c'est. J'ai pas porté la poisse, mais les gars, je crois que c'est un sans faute. Si je ne m'abuse. Hein. Et on a fini en 19 minutes. Vous avez fini... Ah, t'as fini en 16 minutes. Ouais, moi, t'as 3 minutes d'avance. De véhicule, quoi, de descente, quoi. Rien. Et c'est parti, Endowinner is a nuit, bien sûr. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On cesse là-dessus. Un petit pouce bleu à la salle, on le dit. Tout à fait. On le dit, allez, un petit pouce bleu. Voilà, comme ça, c'est.